Salut tout le monde! Bonsoir! Yazel qui est déjà Bonsoir, arrivé. bonsoir. On était en train d'acheter des poules. D'ailleurs, je vais finir d'en acheter en vitesse. Je vais acheter mes poules. Mais je crois qu'on peut en avoir 11, je crois. Ah, pas beaucoup. Non, mais il me semble que là, je continue d'en acheter. Il y a bien une limite à un moment. Bah, pour l'instant, Ouais, si, ça se remplit, quoi. Eh bah, attends, on va continuer à spam, hein! Et après, pour les récolter, c'est... En fait, tu ponds, et après, tu peux... tu passes sur les œufs, et ça le récolte automatiquement. Ok, d'accord. Putain, mais je continue d'en acheter, Zep! Le mec, il va dépenser... ouais. Ça coûte 1 € par jour en entretien, ces saloperies. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Putain, il y a un gros paquet, là. Alors, t'en veux encore plus, ça arrive! Est-ce que si on leur tape dessus, on se fait attaquer? Ah non, 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 ils attaquent pas, on enverra Rodrigo chercher les œufs. Ou on n'est pas dans Zelda. Par contre, celui qui a fait la barrière ici, pas ouais, très malin. Pas très malin. Hein. Espérons que les poules soient pas trop intelligentes et ne s'enfuient pas. C'est ce que j'allais dire. Putain, mais y en a combien là Ça continue d'arriver, mais oui! Bon, Zep, allons moissonner! Ouais, on y va. C'est parti! On a 2 champs entiers à moissonner. On a qu'une moissonneuse, donc... Pipe out. Alors non, je vais attendre que tu sois là pour pipe out. Il y a le tracteur qui est prêt pour toi, là-bas. Ok. Ah, tu veux directement faire comme ça? Ouais. Alors, on y va. Allez, c'est parti! Tu peux... Ouais, non, c'est pas... C'est bon? Ouais. Je peux pas régler. Normalement, il y a un régleur de vitesse. C'est toi le régleur de vitesse! C'est tes doigts! Non, il y a un bouton pour matcher ta vitesse avec la moissonneuse. Ah ouais, bah vas-y, fais comme ça, ouais. Oh, c'est pas grave, hein. Je te rassure, tu me vides bien. Oh oui, t'inquiète, tu sais que j'ai l'habitude. Ton coup de main est habile et certain. Et j'ai perdu de l'habitude là, à voir comment je galère à maintenir la vitesse. Attends, je m'enlève. Ça va pas faire. Allez, c'est parti, c'est de l'argent ça. Est-ce que je vais réussir à boire mon thé en même temps? C'est la question. Pendant que Zep galère à remplir ça. Tu dois juste aller droit et tout. Ah. Moi, je dois conduire à l'envers, là, c'est pas possible. Avec ta vie, la prochaine fois, on changera de rôle. Ah merde, on peut encore mettre au... Bah non, Zep, on optimise. Ouais, non, mais oui. Merde, j'ai laissé un petit peu, c'est pas... C'est de l'argent, moi. Je retirais ça, tes frais de bouche. Ouais, c'est... quasiment nazisme, le stage. Quasiment. Ah, putain. Vite, toi. Bon, t'es chargé à combien, là? Moi, je suis à 36%. Oh, parfait, alerte, c'est parti. Ouais, les champs ont été bien fertilisés, parce que ça... C'est pas dégueu, hein? Ouais. Oh, mais ah, on fait pas de politique, hein, on s'en bat les couilles de Zemmour et tout, c'est... Non, mais genre, les mecs, ils peuvent pas s'empêcher, on s'en branle! C'est tous des débiles! Y a vraiment des gens qui prennent ça au sérieux, tu sais. Le seul qui est bien, c'est la salle, parce que de toute façon, on comprend rien à ce qu'il dit. Voilà!
fertilisé par Pépé. Et oui, les champs ont été fertilisés par moi. Avec ma vigueur légendaire, ça a été extrêmement rapide et brutal, hein. Je lui ai laissé aucune chance au champ, hein. Même pas le temps de se plaindre. Ah oui, clairement, le consentement n'était pas présent. Le coup de poignet de l'ancien pilote d'Obama, je peux vous dire, ça rigole pas. Hein. J'avais oublié cette histoire, cette part sombre de ton histoire. Ah, très sombre. Très sombre. Sombre et légendaire. Attends, je viens, je teste vite. Vas-y, j'ai largement le temps de charger la mule. Hein. Ah voilà, j'ai trouvé comment ralentir ce putain de régulateur. Yes. En soi, je suis en permanence à 9 km/h, Zem. 9 km/h? Ouais, mm-hmm. Nickel, je mets 9 km/h. Je suis à 9. Hop. Je vais pouvoir me toucher la bite. Voilà. Voilà, je suis trop là. Voilà. 5 minutes au champ avec les vêtements. C'est ça, comme Chirac. 5 minutes avec la douche. Putain, mais ta benne, elle se remplit à une vitesse. Ouais, pourtant, je suis à 66%. T'es insatiable. Oh, il y a de la capacité. Waouh. Les fous du volant, Diabolo et Satanas, en train de moissonner leur champ. T'as pas été très droit, hein. Ah, j'ai fait ce que je peux, hein, t'sais. Ne me demande pas d'avoir le compas dans l'œil en plus. Ah. Ah bah Zep. Voilà. Tu as vu Rodrigo là-bas avec sur la Harley en train de nous regarder de bosser. Ouais, c'est pour ça que ça m'a. J'ai dû sortir voir ça de. T'as dû sortir quoi? Du vais. Ah, réponds pas. On aurait des problèmes. Pas en public. Ça sera dans le poulailler. Oh, magnifique! Voilà. Beau. Là, j'ai ma touche de. Comment c'est qu'il y a un peu de la peine. Allez, tourne plus vite. On doit bientôt approcher des 80-90 là, premier chargement. Ouais. Putain, ça va nous faire au moins une double cargaison. Du 200%. Au plus. Ouais, il est grand le champ là. Je suis à 86%. Là. Ah ouais. Je pense qu'après ce passage là. Ouais, tu seras bon ou pas loin. Je serai vite. Je vais directement vendre, ou bien je vais verser au silo ou je vais vendre. Non, tu vas vendre direct, hein, t'emmerdes pas. Hein. Okay. J'ai largement le temps d'encaisser. 100%, je me case. C'est parti. Youhou. Je charge la mule, moi, pour l'instant. Vas-y, ça tu sais faire aussi. J'ai baissé un peu le son de la. Je trouve le son un peu fort. Voilà. Ah oh putain, j'ai failli me renverser. Oh là là. Attends, mais c'est la musique de StarCraft? Mais merde, j'avais pas coupé VLC. Le coup, ouais, forcément, la musique de StarCraft de la minute spatiale, c'est bien, mais. Je préfère ma country. Bah ouais. Moissonner en écoutant de la country, y'a que ça de vrai. Et ta musique préférée? Ma musique préférée! Je vais au moins au bon endroit.
j'ai tourné. Merde, j'ai tourné au mauvais endroit. Bon, c'est pas grave. Ah, tu sais par où je passe? Entre les champs? Non. Ah, c'est... Non, tu... c'est pas là où on a abattu des arbres? Je suis à côté de la Syrie. Ah! La belle époque. Que de souvenirs. Ah putain, qu'est-ce qu'on a défoncé ce point. Putain, c'est affreux. Alors si je mets du country Taylor Swift, je vais me faire copyright claim, hein, voire strike, hein, direct. Hein. Taylor Swift, c'est une connasse. Hein. On touche pas à ces musiques de merde. Hein. Non mais ça, y a pas besoin de le dire. Bon Zef, je vois pas l'argent qui monte, là je commence à m'inquiéter, j'espère que tu t'es pas barré avec Rodrigo et le chargement. Non, je suis perdu. Non, c'est bon, je me suis coincé dans un truc. Tu t'es coincé dans un truc avec Rodrigo. Quelle surprise. C'est ça. Ah putain. C'est serré, hein. Ah. Ça, ah, je suis sorti. Bon ben, je suis sorti, mais je suis tout embourbé. Putain, mais par où t'es passé? J'ai tourné au mauvais endroit. C'est pas, okay, juste, c'est pas juste en haut de chez nous pour Grain Elevator, pour vendre. Ah, je sais... Où tu vas? Je sais pas. Mais c'est le Grain Elevator, c'est à côté de chez nous, c'est juste au-dessus, là, regarde. Le truc jaune. Ouais. Qu'est-ce que tu vas foutre à l'autre bout de la carte dans le shipping office? Attends, mais attends, c'est parce que les prix sont pas les mêmes. Bureau d'expédition. Bureau d'expédition. Ah ouais, c'est ça. Attends, c'est quoi le blé? Putain, c'est le moulin à vent qui offre élévateur à grains. C'est où l'élévateur à grains? Mais c'est à côté de chez nous, regarde. Bon bah je reviens alors. Mec, il m'a fait peur, on se dit mais où il va? Ouais, ok, bah ouais, ils offrent 200 euros de plus à la tonne à l'élévateur à grains, donc ok, j'arrive. Tu es toujours embourbé, sinon je t'envoie Rodrigo, hein. Il va te désembourber, lui, tu vas voir, il a un cric d'enfer. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est Rodrigo qui m'a embourbé. D'ailleurs, dépêche-toi, je suis à 97% plein, hein. Ouais, 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 bah c'est bon, hein. Bon, bah je suis à 100%. Je vais faire une petite pause en attendant que Zep revienne. Bah tu peux commencer à... Je vais aller, je vais continuer à acheter des poules, hein. Ou bien à sarcler, enfin sarcler là. Il faut repasser depuis préparer le début. Les champs. Ouais, je vais préparer les champs. Allez, je vais continuer à acheter de la poule. Vous avez une seule remorque? Bah oui, ça a un coût les remorques, hein. Ah oui, c'est affreux, ça coûte cher. Enfin, tout coûte cher au début. On n'a pas d'argent, hein. On est pauvre as fuck. Hein. Là, j'achète des poules, hein. Voilà. Je suis en train de mettre un poulailler sur pied. Plein de petites poules, vous allez voir. Alors là, c'est pas un poulailler que tu mets, là. C'est une batterie lourde. Ah bah là, c'est... Je te dis, KFC, là, ils vont arriver. Oh, bah dis donc. J'ai failli me prendre un arbre. Va falloir l'abattre. Oh là là, toutes les poules qu'on a, Zep. Oula, j'ai un freeze dans ces bois. Ouais, moi aussi j'ai eu un petit freeze. Il y a déjà des œufs. Bah vas-y. Oh, il y a déjà des œufs. Attends, je vais peut-être baisser la vitesse du jeu. Le temps qu'on... Ouais, le temps qu'on... Ouais, parce que sinon ça va faner. Ça nous coûte de l'argent aussi, hein. Ouais. Alors, les œufs, faut aller les vendre après, c'est ça, hein. Ça se vend pas automatiquement? Non, je crois. Tu les as, si tu regardes tout en à gauche de la carte, il y a un bâtiment avec des poules et œufs. Je pense que c'est là-bas. Moi, je prendrais la grosse. En moto, ouais. Enfin, je sais pas, tu les gardes sur toi, les œufs, du Mais coup. Mais bonne question. J'en sais rien. Bon, bah, je continue de claquer de l'argent dans les poules, hein. Ça sera de l'argent, ça va pas être perdu. Là, j'aurais dû lâcher la masse devant et galère à monter mon truc. Bon Zep, tu nous vends ce grain ou pas? Eh, j'arrive. Tu m'as pas acheté le tracteur le plus puissant, hein? Bah, tu ne serais pas trompé dès le début pour vendre ton tas de merde, là? On n'en serait pas là. Mmh.
Bon, je vais m'arrêter à... On aura déjà claqué 5 000 de thunes en poule. Ah oui, quand même. Ah bah, tu sais, à coup de 70, ça va vite, hein. Ouais, bah je vois ça. Bon, par contre, on en a Ah, plein, je hein. suis là, faut que j'aille par où? Par là. Hop. Ouais, Lâche-moi, toi. on a une chier de poulains. Faudra aller chasser les œufs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une masse ici. Ah! Zeppelin qui revient avec le plein chargement! Regardez-le! J'ai fait exprès de pas passer près de toi pour pas que tu fasses de remarques. Quel. Merde, je suis obligé de passer vers toi, là, y a plus Mais c'est de bien là et pas c'est monte et prends à droite, putain! La prochaine fois, j'irai, hein. Mais Regardez-le! non, mais. Ah là là, je voulais pas que tu me vois, pas que tu fasses des remarques. Bien sûr, j'allais faire Chaque des fois. remarques! Retour au point de départ! Après, ça me blesse mon petit Le cœur mec, à la il allait fin. à l'autre bout de la carte! Il s'est embourbé! Là là. Notre entreprise florissante, que vais-je dire au banquier? Ouais, bon, bah, y a des accidents sur la route, tu connais. Il y a des bouchons. Regardez-moi ce coq! Allez, j'arrive à l'élévateur à grains. Il est où? Ah! Ah! Il y a un petit freeze. Où est le pont de déchargement? C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Hop. Décharger. Regarde l'argent. Ah oui! Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte! Pas mal, allez, viens recharger la mule là. Ouais. C'est monté. Oh, attends, c'est bon, c'est fini de décharger. Combien? Pas beaucoup! Pas assez! Ça compense à peine le temps qu'on a perdu avec ton détour! Ton petit détour à l'autre bout de la carte avec Rodrigo! Sais, le mec, il me fait des reproches alors que tu partais faire des balades en moto pendant que je travaillais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. C'était Rodrigo qui s'était perdu, ce bon à rien. Il a été sévèrement puni le soir. Voire même détour en hélico pour tout le manche. Je me suis occupé de lui dans le sauna avec vigueur. Bon, Zep arrive, je crois. Ouais, je suis là. Ah, magnifique. Allez, viens charger la mule. Attends, je sais pas si la capacité dépasse la C'est bon, remorque. t'inquiète, t'inquiète, large. Allez. Là, tu vois, je suis à 40%, 39. T'es à combien toi? 40 maintenant. Ah putain, ça va vite quand même. Et là, on finit Je suis à 53%. zéro. Donc ouais, c'est Ah, t'es ça. vide? Ouais, on T'es est. vide. C'est-à-dire que toi, quand moi je suis à 100%, ça te remplit 50, c'est ça? Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais, du 1 pour 2. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Tommy? T'es jaloux? Tu veux goûter, c'est ça? Il y en a pour tout le monde, hein. Tarif de groupe, hein. Je distribue, je vais prendre l'hélico là, tu vas voir, je fais un épandage. Hein. Merde. La touche sortir du tracteur et le régulateur de vitesse, elle est trop proche. Hop là, voilà. Oh, magnifique! Je viens d'arriver à 70%. Parfait. Te remplir est toujours un plaisir. Oh, alors là, tu me mets bien, hein. Même si ta petite benne commence à ne plus me satisfaire.
Pépé qui en met la moitié à côté. Je ne mets rien à côté. C'est automatique que ça se déclenche quand le camion est à proximité. Enfin, j'espère. Oui, oui, c'est automatique. Ça oui. serait logique, sinon le gâchis, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait une... Parce que moi, sinon, je fais ramasser Rodrigo derrière. Voilà, c'est juste visuel. Ouais, ouais, je suis pas sûr que tu verses à côté, tu puisses verser. Non, à je pense côté. Pas. Non, ça serait stupide. Hein. Il y a les deux Hitbox qui se déclenchent. Ouais, ouais. Quand les deux sont superposés. Ça serait un peu trop réaliste quand même. Eh, oh, c'est pas une simulation. Hein. Bon, la catastrophe. La future team ouais. d'e-sport. Je vais lancer une team d'e-sport sur Farming Simulator. Avec tous les PGM allemands et tout, les vautours, je vais les appeler. Je suis sûr que ça existe. Hein. Bien sûr. Mais comme je t'avais dit, là, moi, tu vas regarder les streamers Farming Simulator. Ah, mais les mecs, ils ont le pédalier, ils ont le volant, ils ont quoi. Attends, on aura une gaming house à Berlin et tout. En Suisse, vu que c'est un jeu suisse. Oui, le pire, c'est les mecs qui sont paysans. Ils ont fini leur journée au champ et ils rentrent le soir. Ils viennent jouer avec leurs potes à Farming. Putain, regarde, j'ai le nouveau tracteur et tout, c'est un truc de fou. Mais c'est ça, puis ils rajoutent des modes comme des sauvages et tout. Enfin, c'est incroyable. Ça leur donne l'impression d'être des paysans riches, tu sais, quand ils achètent du super matos et tout. Hein. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, j'ai vu. Ça y est, t'es plein ? 99%, allez, là. C'est parti. Bon, allez, j'y vais. Maintenant que je dois pas aller trop loin. Bon bah là je vais... Bah c'est ça, c'est à côté, c'est pratique hein. Oui. Je coupe à travers champ, sans bah, normalement, fou, pas à nous. Je peux le faire en un tour, j'espère. Ça existe déjà une équipe de gaming e-sport. Mais de quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais bien... Putain. Mais c'est ça, mais c'est... Je me dis, est-ce que c'est un professionnel? ça fait 10 ans que les mecs sur LoL ils sont en gaming house et tout à s'entraîner avec des diététiciens et tout. Et là. Oh, et puis avant LoL c'était StarCraft. Et puis tout bien ça. Sûr. Ouais, mais après StarCraft est assez individuel. Ouais, alors que LoL ouais. c'est vraiment un sport d'équipe quoi. Ah oui, il y a encore tout le champ là-bas. On va encore faire une troisième remorque, je pense. Ouais, peut-être même plus. Il y a bien une gaming house de Farming Simulator. Putain, j'imagine les mecs. La gaming house. Alors aujourd'hui, on va faire des ratios de 3 machins au niveau de. Putain, oh, les mecs doivent être au taquet. Hein. Mais j'ai vu des tournois où il y a quand même pas mal d'argent hein, en jeu. Hein. Donc dès qu'il y a du fric. Ah bah. Il y a de la compétitivité. Là, hein. Pour certains jeux, maintenant, c'est des. Il y a des millions en jeu. Bien sûr. Bah, League of Legends, Dota. Les tournois de Counter-Strike. Ouais. Je regarde, moi, League of Legends, je ne joue pas à League of Legends, surtout pas. Par contre, je regarde beaucoup de League of Legends. J'ai essayé de rejouer à League of Legends, là, c'est Nana qui m'a dit, viens, on joue ensemble. J'ai dit, bah, ok. Putain, j'ai fait 3 parties, je l'ai redésinstallé. Ah non, mais... L'enfer, ce jeu. Bon. Déjà, je comprends pas le jeu. Ouais, non, et c'est... comme je comprends pas, tu te fais insulter, même comme j'étais au niveau 2 et tout, tu tombes avec des mecs... qui sont censés ne pas comprendre le jeu, en fait c'est des smurfs et tu te fais insulter quoi. C'est ça. Allez hop, je suis à 60% de rempli Zep. Ça devrait te remplir. Allez, si nos maths sont bons, je vais voir quand tu vas arriver. Ouais, je suis là. Hop. Ah merde. Oh ma fille. Salut brigand. Ouais, alors j'ai pas le chat sous les yeux donc. Les déclarations d'amour, c'est en privé. Normalement, tu devrais être à 30% Zep, de ta charrette. Ouais, bah on verra ça. Tu peux dessiner une bite dans le champ. Mais putain, mais oui! Mais à quoi ça me sert de dessiner une bite dans mon champ, Tommy? Putain, Tommy, tu parles de foutre et tout, de bite en live? Attention! Meilleur chat du Twitch Orny, game. Ne serais-tu pas un ornidogo? La prison t'attend, hein. Il y a... Orny Jane. Bonk, The Orny Jane.
Ouais, sinon il y a le donjon d'une star. Voilà, hein. Attention, hein. Ah, je suis allé poster quelques trucs sur le donjon. Ouais, je suis pas surpris. Moi, j'y fous pas les pieds là-dedans, c'est trop dangereux. Hein. J'ai des mèmes douteux à. Ouais. Faut que je m'en débarrasse. Ouais. Ouais. Des mèmes douteux que t'as volé sur 4chan en cachette, ce genre de truc. Hein. Non, c'est non. Fini 4chan. Maintenant, c'est sur les Nurchis, c'est encore plus douteux. Ah putain. J'en ai un que j'adore avec Philippe Etchebest. Ah là là. Ah, il est incroyable. C'est vrai que les hommes au crâne rasé, toi, ça te les chauffe, ça t'excite. Ça me parle. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est Etchebest qui dit c'est nourrissant et tout, mais qu'est-ce que c'est bon. Et en fait, la légende du truc, c'est le sperme être comme. Et putain, c'est vraiment un truc de boomer, mais il me fait tellement marrer celui-là. Ah là là. Du coup, j'ai été le balancer, mais il a pas eu un grand succès. Ben oui, voilà. Et dans le donjon, ils sont difficiles, hein, tes trucs de. Ouais, tes c'est trucs ça. De, c'est... Tes, trucs de, tes trucs pourris là que tu chopes avec. T'es trop normi pour eux. Hey, c'est pas facile d'avoir du succès dans les pages de même du Discord, hein. Ah putain. J'ai mon succès, des fois en fait le problème. Toi, c'est pas c'était le taulier. Non, en fait, mais je poste des bons mèmes en français, mais tous ces débiles comprennent pas les mèmes que je poste en anglais qui sont géniaux. Et vu qu'ils comprennent pas parce qu'ils sont complètement cons et qu'ils parlent pas anglais, bah ils comprennent pas parfois l'humour un peu subtil qu'il y a. Par contre, tu leur mets caca zizi en français, alors là ils comprennent tout de suite, ils se marrent, hein, bite. Hein, putain. Alors des fois je suis déçu, j'ai des mèmes qui font des cartons alors que c'est de la merde. Et mes mèmes un peu trop bons en anglais, ils comprennent pas. C'est un public difficile, hein. On a la communauté qu'on mérite. C'est vrai. T'en es où toi de ta chargement de ta benne là? 69%. Ouais, bah on va réussir à faire un chargement plein. On n'a pas un troisième champ quelque part? Non, si, mais je l'avais loupé. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, je me suis fait chier à l'ensemencer et tout, hein. Donc je comprends pas. Juste une petite partie au milieu qui est. Je ne comprends pas. Ah putain, c'est superbe. Allez. Oh, bon, allez, putain. Allez. $21,000 de thunes, Zep. Pas mal, hein. Ah, ça monte, ça, ça monte. Monte, hein. Il faudra planter du colza, ça rapporte plus. Ouais, le colza. Ouais, c'est ce qui rapporte le plus comme... céréales. Allez, 85%. Ouais, on va l'amener à 100 avec... Oula, pardon. Ah, c'est bon. Tu m'as juste coincé dans le... Voilà, c'est bon. Hop. Maîtrise, quand même. Je t'ai coincé où, Zep? Précise ta pensée. Tu m'as coincé contre la maison, monsieur. Je pouvais pas fuir et tout. Ah oh bah, un accident, hein. Zep, t'as perdu ta robe. Putain, j'ai pressé le mauvais truc, oh là là. Ah, quel champion, en plus je l'ai vu en live, mais Zep, putain. C'est moi l'élément principal, c'est genre tu peux te permettre d'attendre, vu que je charge. Pas ne me fais pas perdre mon temps. Pas le temps de niaiser. Allez, bouge ton cul, pépé, là. Vieux boomer de merde. Tu vieillis, t'arrives plus à moissonner. On va la remplir. Bah, je suis à... Là, j'arrive à 98%. Oh, on va la remplir, facile. Donc, on aura même un peu d'extra. Ah, il y aura du rab. Ouais. Bah, 100%. Bah, vas-y, c'est parti. Moi, je vais faire cette parcelle-là, et on est bon. Allez, hop. Je nique le champ. J'avoue, les gros bourrins, là.
Après, j'irai voir les œufs et je ferai peut-être un petit tour avec Rodrigo en moto pour aller vendre les œufs. Ouais. Ouais. Ouais, bah écoute, Mais sinon en tu fait, prends des je lupes ne. et tu lui sors le grand jeu, hein. Quelqu'un peut aller voir en vitesse sur Google comment on vend les œufs? Sur Farming Simulator Farming 2015, hein. Simulator 2015, vous tapez Selling Eggs, vendre des œufs. Genre si c'est Ouais, attends. automatique ou. Vendre des œufs en français, quand même. Ouais, mais t'auras plus de réponses en anglais, tu vois. Oh non, t'inquiète. Il y a une grosse communauté de pécores francophones, hein. Mais arrête, c'est gênant. J'aime bien les deux analphabètes qui se battent en duel et qui font tous les deux des fautes énormes. Arrête de te moquer de mon level d'orthographe, c'est gênant. Ah oui, d'ailleurs, c'en est où ta minute orthographique ou bien ta dictée de pivot là? Il faudrait que je le mette sur un sub-goal et qu'on réfléchisse Ouais. à comment faire ça techniquement. Pour le 1er avril. Ouais, faire une battle dictée dans le serveur. Putain, ce serait incroyable. En live avec 10-15 personnes. Salut Stabilus. Ça serait épique, ouais. Salut. Ah ouais, non mais Infi contre Arlenus, le duel de l'année, c'est le combat des titans dans un. C'est pas un octogone, hein. On va faire ça avec une dictée de pivot. Merde, j'aurais dû mieux me mettre, j'aurais réussi à tout faire en une. Là. C'est bon, c'est vendu, j'arrive. Alors Moa nous dit Merde. qu'il faut les vendre manuellement. Ah, donc il faut aller là-bas et puis. T'as Ah, il y a vendu une Zep, ça y balance. est? 26 000? Ouais. Bah je suis chargé à 44%. Donc tu peux. 44%. Ouais, éventuellement tu peux prendre tout et après tu peux aussi aller prendre dans le dépôt, ce qu'il y a dans le silo. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, on va faire comme ça. Je sais pas s'il reste du blé. Normalement, j'ai pas touché au blé dans le silo. J'en avais mis un dans le silo du blé. Hein. Ouais, moi aussi j'en avais mis. Mais je sais que j'allais vendre des trucs du silo, mais je sais pas si c'est du colza que j'ai vendu ou bien du blé. Ou si c'est du colza et du blé. J'arrive, je suis là. Le gagnant repart avec un Becherel. Ah non, un vrai dictionnaire. Alors, Vestman utilise la commande. Point d'exclamation Discord. Et ça Oh apparaît. putain, tu l'as fait? Oui, enfin je crois. Eh ben. Oui, ça marche! Vas-y, sors ton Ah oui, fight là. ne fais pas de mauvaise blague. Attends, je m'arrête, voilà. Voilà. Et on va aussi faire un petit tournoi COH2 en 2v2 dans la communauté, puisqu'on a pas mal de joueurs. Ça va être amusant. Ah ouais, je vois, il y a toujours des gens qui jouent là, Ah, en ce moment. qui sont connectés sur Rodrigo, j'ai fini de moissonner les champs! On va aller en balade! Oui. Bon, je Ah remets là la là. moissonneuse à son point de départ. Hop là. Oh putain. C'est là le silo. Oh Pardon. Rodrigo. J'ai encore des corvées à faire pour aujourd'hui. On ira se balader après. Comment c'est le remplissage? Ah ouais, bah il y a encore plein de blé. Attends, normalement on peut voir l'état des silos. Alors, Oui. il y a 2 œufs. Ok. Deux œufs? Bah, je sais Ah, pas, c'est ce qu'il dit. tu les vois apparaître? Bah, avec I, tu peux voir, Ah, mais dans l'inventaire, combien on je en a? pense que il y a 2 œufs et 2 œufs transportés. Où tu vois ça? Tu presses I et c'est le dernier onglet. Ok. Alors, Ah oui! Eggs in backpack. Ok, d'accord. Donc on aura juste qu'à aller les vendre. Ouais. Je sais pas s'il faut les donner de la bouffe. Non, Oui. les poules n'ont aucun entretien. Ouais, ok. Si tu regardes sur i, justement, tu vois que là, y a pas le bouton Ouais, productivité. ouais. Ouais. Donc en fait, une fois que tu les as, voilà quoi. Nickel. Attends, il me dit que j'ai 130 poules. C'est quoi ce bordel? Ouais, 131 poules, ouais. Est-ce que j'ai pas fait un peu trop le bourrin? Si, si, clairement. Et qu'en fait, il y avait une taille limite de poules et que je l'ai dépassée en fait. Je sais, t'inquiète pas. On connaît nos maths. Je vais aller voir pour vendre les œufs si ça correspond bien à l'endroit. Comme ça, on saura. Et tu Ouais, pourras y aller aussi normalement.
vu que je pense que le backpack est commun à nous deux. Alors, c'est par où? Et comme ça, c'est une bonne. Alors. Ça va me permettre d'aller faire une petite balade avec Rodrigo sur la route. Tu me le ramènes nettoyé et vidé, hein? Bien sûr. Allez, Rodrigo, emmène-moi au bout du monde! Pardon! Alors, attends, est-ce que. Je vais vite voir, parce qu'on peut regarder les différents. Salut, Infi! Salut, Infi! Allez, on va prendre les chemins de campagne. Non, les œufs, tu les vends qu'à un seul endroit, il n'y a pas différents endroits. Voilà, je suis en moto du coup. Ouais, je suis déjà presque arrivé à destination. Ouais, ça file, ce machin. Les chemins un peu terreux, ah oui. Hop, je vends le blé. Salut Artiel. Alors, je crois que c'est ici qu'on vend les œufs. Rodrigo, attends-moi. Je roule un peu du cul pour qu'il me voit bien. Voilà, j'ai vendu. C'est bon. 45, ça correspond aux 4 œufs, ça fonctionne. Allez, Rodrigo. Ramène-moi par des sentiers un peu détournés. Pendant que Zeppelin ne me satisfait plus, Rodrigo. En plus, je travaille et tout. Enfin, oh là là là. Va falloir qu'on ramène d'autres personnes, hein. D'autres esclaves dociles et ouverts. Allez, wouh, Rodrigo. Qu'est-ce que t'as fait? Une petite bosse, on a fait un putain de bond. Sauvage. Alors, qu'est-ce qui reste dans ces silos à la con? Bon, 32 000. Pour le cheptel, ah ouais, ok. Malheureusement... T'as dépensé 9 000 pour le cheptel. Ouais, j'ai fait un peu le bourrin. Mais bon, ça va se rentabiliser sur le long terme. Bon, Bazel, oui, je vais commencer à ramonner le champ. Hein. Oui, vas-y. Tu vas pouvoir ensemencer derrière moi? Bien sûr. Attends, mais moi je cherche. C'est pas là qu'on voit nos. Des événements de grippe aviaire, mais attends, mais tu te crois où là? Bah, je vais vendre le reste du blé qu'on a. Vas-y, vends tout. Après, je vais. Je sais pas si ça remplit. Ah non, ça remplit pas la benne, le blé. Bon, c'est pas grave, c'est quand même rempli à 82%. Oh, mais nickel ça... Eh, Zep, avec ça, on va pouvoir faire des investissements. Ouais, et après, il reste encore une benne, un peu plus d'une benne entière d'orge. Mais on va pouvoir acheter nos. Ce qu'on avait dit, et aussi nos premiers moutons. Oui. Ce qui va être. Ouais, les moutons, enfin, je sais pas, parce qu'on a rien pour récolter l'herbe ni rien. Mais justement, avec 33 000, on aura assez. Ah oui. Rappelle-toi, le culte. Pour couper l'herbe et la récupérer, c'était 33 000. Et après, oui. L'argent supplémentaire avec des moutons, sachant qu'un mouton. Un mouton coûte 300, ce qui est pas si cher que ça. Non. Je sais pas combien rapporte la laine, par contre. Alors, en plus, c'est du passif, la laine. Il faut juste aller la chercher de temps en temps et la ramener à la... Bah ouais, dans les magasins, j'ai vu. Bon, je vais faire les deux en même temps. Je vais faire le bourrin. Alors, tu peux mettre sur... Normalement, sur le tracteur, tu peux mettre le... Le machin pour préparer la terre en même temps et le lance-semenceur. Les deux en même temps? Ouais, s'il est assez puissant, ouais, tu peux faire ça. Vous faites pas de foin? Non, on n'a pas encore les machines, Mozuta, pour faire le foin. Mais ça va venir. C'est dans les plans. Ça coûte une couille. Hein. Vous vous rendez pas compte? Les engins coûtent une couille. Lors, l'hélico, je l'ai eu au strip poker. Je vous ai déjà dit que j'avais été l'ancien pilote de Barack Obama.
J'étais dans Air Force 4. Air Force 4. Putain, attends, c'est pas brillant, brillant ce que je fais là. On va essayer de s'appliquer un peu. Il transportait souvent Epstein et puis... c'est ça, les... je m'occupais surtout des filles d'Obama quand elles allaient à l'université. Voilà. Sur l'île d'Epstein, bizarre ton université. Ah bah. Ouais, puis après je viendrai t'aider à semer. Tu fais ça comme un cochon. Mais non. Ok, j'avoue là. En fait, c'est à cause de ce qui reste. Je repasserai un coup après pour finir propre. C'est autant sale que quand tu me rends Rodrigo, quoi. Pas gentil ça. Pourtant, j'y mets toute mon attention sur Rodrigo. Contrairement à ce putain de chant. Alors, hop, l'orge. Merde. On est monté à 37 000, Zep, on est bon là. Ouais, bah je vais encore vendre l'orge et puis comme ça on aura un petit matelas en plus. Tu pourras commencer à investir et acheter le matos. Ah mais on a aussi 8000 litres de pommes de terre et 8000 litres de copeaux de bois en fait. Bah, c'est bien. On va pouvoir investir tout ça. Hein. Alors l'orge, ouh, l'orge se vend cher. 743 euros la tonne. Ouais, bah je vais au moulin aussi, à l'élévateur. Mais c'est ça en fait, Zef, hein. Je soupçonne que le champ avait pas été préparé dans l'autre champ en fait. Et c'est, oui, pour, ça que, c'est pour ça que ça a pas poussé. Hein. Ah, mais il y a aussi un truc, il y a une vitesse maximale pour les outils. Alors je me dis, je te vois foncer, peut-être que t'as allé trop vite. Non. Parle pas de malheur. Non mais rappelle-toi, dans le champ où j'avais semé, il y avait des herbes. Ouais, justement. Alors, c'est ce que je me dis. C'est... Ou bien il a pas d'herbe. Préparé, il a pas été préparé en fait. Personne n'a préparé. Ouais, Parce que normalement, quand t'as un champ, il est préparé. Tu vois, le champ où on passe à côté, il est prêt. Il y a plus qu'à le semer, quoi. Mais il avait pas été préparé justement au cultivateur. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Parce qu'en fait, les autres champs, eux, il y avait un champ à récolter, un champ qui était préparé et l'autre qui l'était pas. Ouais, je pense que c'est ça. Non, cas, on ne récupère pas la paille, putain, Moa. On n'a pas le matos pour récupérer la paille. On l'aura un jour, ça coûte trop cher. Prochaine récolte, on l'aura. Ouais, je pense que prochaine récolte, on pourra commencer à se payer un peu de matos. Ouais, bah regarde, là je décharge l'orge, regarde. Oh oui, on a passé les 40 000. 41 000. Tu vas pouvoir aller au marché faire un peu de course. Là, ouais, d'abord on va. Voilà, j'ai fini de décharger. Hop. Hop, faudra qu'on achète un Karcher pour. Pas pour nettoyer les banlieues, mais pour nettoyer les tracteurs. Tu as un petit Karcher là. Oh putain, en fait là j'ai fait du gros caca. Je repasserai une petite... Ah oui, mais c'est à cause de cette paille de merde, je vois pas où je passe en fait. Mais oui, j'ai pas le compas dans l'œil, mais c'est à cause de la paille, putain. Sinon, tu t'engages à des clandos qui traînent dans le coin, ils le font à ouais, peur, et éventuellement, je vais commencer à semer derrière. Ouais. Vu qu'on a de l'argent, là, on peut se permettre. Hire worker. Voilà, et moi, je peux sortir. Merde. Ouais, toi tu sors, tu presses voilà. Allez Rodrigo, tu me fais ça propre, hein. Je compte sur toi. Mais Zep, pourquoi t'es dans le tracteur? Ah putain, on a deux tracteurs. Oh merde, je suis dans le... Ah non, mais fais pas cracher l'hélico, Zep, hein, parce que je sais que tu craches quand tu... Ouais, non, mais on a deux tracteurs au magasin, là. Ah, deux ouais. Ah oui, bah écoute, je vais acheter le matos, Zep, comme ça, on va pouvoir le ramener. Ouais, bah quand on a deux tracteurs, ouais. Je vais pouvoir prendre le... 3 mètres, 3-5 mètres. Ok, on va pas être trop gourmand, on va prendre le petit. Et surtout, l'herbe, on peut prendre toute l'herbe qu'on voit. Hein. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de planter. Non, c'est pour ça que l'herbe, c'est intéressant, c'est qu'on prend où on veut. Bon, Zep, j'ai acheté normalement le Nova 4. Oui, je l'ai devant moi. Et je vais nous acheter le Loading Wagon, le premier, qui est à 27 000. Putain, voilà.
Il se met dans... Ah ! Oh non. Putain, il m'est apparu sur ma gueule, quoi. Alors, comment ça... C'est pas un normalement... bot. Hop là. Normalement, on peut mettre les... Je vais investir je vais investir dans les moutons, Zep. Ouais, c'est bah parti. Écoute, moi je vais te ramener de l'herbe dans pas long. Hein. Oh putain! Voilà. Ok, il me faudrait une masse arrière, mais avec la remorque ça va le faire. Voilà, j'ai acheté 12 moutons, Zep. Nickel. 12 moutons, et on a encore une trésorerie pas dégueulasse qui va nous permettre de faire le merdier. Je vais aller voir s'il y a des œufs. On va continuer à ramasser. Alors, activer, ouais. Baisser ramasseur, ouais. Activer. Alors, mes petites poulettes, y a pas des œufs qui traînent ? Modifier. Alors, G. Ah, si. Il y en a un là. B. Hop là. Et. L'ensemenceur. Oh, regardez-moi le travail de professionnel là qui me fait. Ça change de pépé qui avait pas le compas dans l'œil du tout, hein. Putain, mais il a été rapide, l'espèce d'enculé, là. Bon, il me semble que l'ensemence... Bon, je récolte déjà de l'herbe. Bah, vas-y, parfait. Ramène tout ça. Et tu sais où sont les moutons ? Regarde sur la carte. Ils sont pas à notre ferme. Ils sont un peu plus loin, regarde. Ils sont tout au nord. T'as tout au nord, à droite, regarde. T'as le 4. Et à gauche, t'as un enclos à moutons. Ouais, ok. Donc t'auras juste qu'à aller là, mais... marche arrière, tu poses la benne et tu remplis. Normalement, les moutons sont là-bas. Ah oui, ils sont pas sur l'exploitation, non. C'est juste. Putain, c'est. Ouais, en fait. Je vais continuer. Putain. Pauvre tracteur, il galère. Alors, Jazzis qui nous dit, tu aurais dû prendre l'outil que tu peux mettre à l'avant pour faucher l'herbe, comme ça tu coupes et tu ramasses en même temps. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais sauf que le alors, la faucheuse est déportée. Ah bah Zep, on peut pas tout avoir. C'est l'autre qui était centrale, elle coûtait 18 000. Hein. 10 000 de plus. Ouais, ouais, bah oui, oui. Donc voilà, à un moment... On peut pas la changer de côté. Alors c'est quoi le signe du colza ? C'est quoi le signe du colza ? Merde. Le signe du colza, c'est déjà quoi ? Ça, c'est de la betterave. Attends, Farming Simulator 2015. Mais non, attends, je sais pas comment on dit du colza. C'est peut-être marqué, c'est peut-être dans les logos des. Bah, je sais c'est quoi le logo, mais là, je peux pas le voir. Ah si, c'est bon. Colza, c'est canola, je crois. Non, c'est où ? Sugar beet, colza ? Attends, je me rappelle même pas en anglais, putain, colza. Colza en anglais. Putain, mais je suis con, quoi. Colza en anglais. Le colza en anglais. Canola, ouais, c'est ce que je pensais, c'est bien canola. Canola ? Ouais, okay. Canola. Mais putain. Eh, Orictes, tu veux que je te banne ? Tu sais que ça, c'est des mots qui sont interdits sur Twitch, espèce de gros débile. Putain, Orictes, ne me force pas à te ban. Je vais quand même te foutre tes minutes parce que j'en ai plein le cul des gens. Qui ne comprennent pas comment Twitch fonctionne en 2020. Putain, faut vraiment être con, quoi. Débile, va. Fatigant de tomber sur des gens cons. Alors, colza, on va aller voir en français. Colza oil. Non, putain, colza, il me met que... Rapeseed. Ah oui, en fait. Oh, le pauvre... le pauvre Orictes. C'est bien Rapeseed. Je suis désolé, Orictes. Je t'ai pas alors que c'est une BD. En même temps, il l'a écrit en majuscule. Pas de mal. Ah, le quiproquo. Eh ben, désolé. Oh, le best of fail. clip. Orictes, je suis
désolé. Tu reviendras dans 9 minutes. En même temps, comment je suis censé savoir vu que je cherche? C'est incroyable. Ah, c'est beau. Bon, attendez. Alors, y a pas marqué le nom, ce nom-là, en tout cas. T'es sûr que c'est Colza dans le jeu? Bah oui. Ça reste Canola le plus rentable. Colza, Canola. C'est le troisième. Ouais, c'est ça. C'est Canola, 814. Dans... Canola. C'est bon. Et le plus rentable, il est à 1155. Normalement, c'est celui-là. Ah, voilà. Mort de rire. Je suis pas censé savoir, merde. Désolé, Orictes. Désolé. Mais je vois pas mal de trolls des fois qui font des conneries de ce genre, donc forcément. Alors, et là, il a fini de faire son champ magnifique. Je vais pouvoir aller changer. Ouais, le colza se vend plus cher, mais ça a moins de rendement. C'est ça le truc. Attends, là, je voudrais bien finir ce champ où j'ai fait de la merde. Je vais aller remplacer. Putain, ça va pas vite, hein, de remplir l'herbe. Oh là là. Ah, c'est vrai que dès que j'emploie un ouvrier un peu plus qualifié, tout de suite, ça a plus de gueule que ce que je faisais. Oh putain. Ok. Oui. Lower cultivateur, V. Hop là. Voilà. Je veux que ce soit un peu quand même propre, quoi. Et comme ça, je vais pouvoir aller le mettre au travail dans la foulée. Comme ça, voilà. Hop. Allez, je fais le gros porc. Tant pis, c'est pas bien. Ah ouais, oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà. Lift. Hop. Et je vais aller mettre Rodrigo au travail dans l'autre champ là-bas. Bah ouais, maintenant on commence à avoir un peu d'argent de poche. On va pouvoir utiliser des ouvriers pour faire le sale boulot, quoi. Ouais. On leur donne du travail, on les paye pas trop cher. Ça fait tourner l'économie locale. Voilà. Allez au boulot! Ah merde! Mais putain. Et de toute façon, ils dépenseront leur salaire pour acheter nos œufs, donc. Voilà! Allons, tu vas te. C'est le plan Marshall du paysan, quoi. Voilà, normalement on est bon. Chut. Non, il veut pas! Je sais pas combien il faut d'herbe pour les moutons. Bah, tu vas voir. Tu testes, hein. Ou au pire, tu récolteras de l'herbe là-bas directement. Ouais, bah là, je suis en train de finir. Je vais finir l'endroit que je suis en train de faucher. Parce que je suis à 15% de la capacité du truc, mais j'en ai 3400. Alors, je sais pas si. Attends, mais ça a déjà été travaillé ici. Il veut pas parce que tu l'as déjà fait. Mais ça n'a pas été travaillé la terre ici. Normalement, depuis que j'ai récolté. Regardez. On sait que tu es. Ouais. Ah ouais, c'est ça, il l'a déjà fait. Il considère que ça a déjà été fait en fait. Bah, ah non, là c'est. Rodrigue. Ouais, là c'est ça. Attends, qu'est-ce qui branle? Si bah, pas moi en fait. Tout cas. Mais quand je l'ai fait, putain, mais. Ah oui, tout à l'heure j'ai fait le double, ah oui! En effet! Voilà, regardez. Hop, et là il va reprendre normalement. Voilà, hop. Allez, au boulot. On va aller là-haut, voilà. En fait, tout à l'heure je l'avais fait comme ça. Voilà. On va mettre comme ça. Et là normalement ça va être bon. Voilà, hop. Là je fais V, hop. Hop. Et là normalement c'est bon. Voilà, hop. Allez au boulot. Magique. Là, je vais mettre. Attends, je vais prendre la faucheuse. Je vais mettre Mokhtar au travail. Zep, est-ce qu'il faut qu'on remette un coup de défoliant là pour un coup d'engrais là pour. Oui, à chaque fois. Ok, bah, je mets nos deux employés au travail et je vais pulvériser. Le colza, c'est bon. Hop, employé. Hop, c'est parti.
Et tu pars, mon canard. Bon, Zeb, tout est lancé. On a un champ en train d'être travaillé, un autre en train d'être ensemencé. Je vais passer un coup d'hélicoptère. C'est parti. Je suis à 42%. Bon, allez, j'ai 5000 d'herbe, quasiment. Je vais chercher... Je réattelle ma faucheuse et je vais donner ça au mouton. Allez, regardez l'ancien pilote de Barack Obama de Air Force 4. Regardez-le comment il est bon. Ah là là. Non. Wouh. Au boulot, les losers. Moi, je suis en hélico. Allez, c'est bon. Cette exploitation super écolo, on pulvérise en hélico parce que l'empreinte carbone, on s'en fout. Ça n'existe pas, ça, Pépé, tu sais bien. Oui. On en a parlé au dernier séminaire. Et puis, de toute façon, on a contribué à la campagne de Biden. C'est ça. Donc, ça nous donne des droits. Voilà, quoi. Bon, je vais essayer de me mettre en bonne position. Alors, cet hélico est quand même une sacrée savonnette. Voilà. On va activer le sprayer. C'est parti. Allez, Russell. Ne trompe pas de champ. Rigole pas, c'était arrivé la semaine dernière. Oui, oui. Heureusement qu'il y a le message d'alerte. Vous n'êtes pas sur le bon champ. Vous n'êtes pas sur le bon champ. Oh, regardez-moi ce spray! Un des meilleurs que j'ai fait, ouais, j'ai quand même loupé. Non, il est parfait. Il est presque parfait. Il faut que je remette un petit coup sur le côté. Regardez-moi ce spray, ok. Un zeppelin. Witness me. C'est fou, les doubles sens qu'il y a ça, c'est incroyable. En même temps, voilà. Putain, j'arrive pas à bien me positionner. Ah, mais il y a des gens dans le bled. Oui. Ok. Ok. Je suis incapable de me mettre dans l'axe. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Hop, voilà. Non, c'est pas bon. Bon, écoute, je repasserai plus tard. Je vais pas rester dedans parce que ça consomme de l'essence, le machin là. Où c'est qu'on met de l'herbe? Ici. Très bien. Allez, on pulvérise. Bon, vraiment là, j'ai fait un magnifique passage. Oh, il est parfait! Il est parfait, Zep! J'ai réussi le premier passage parfait! Je commence à devenir bon avec l'hélico, hein. En deux passages, j'ai fait tout le champ. Ce serait ton rôle, alors. Bon, c'est sûr que t'as pas ta licence d'hélicoptère, je sais. C'est vrai. Putain, lâche. Je pulvérise sous notre pauvre employé qui a rien demandé. Allez au boulot. Ils sont beaux, nos petits moutons. Ah, je vais aller les voir, Zep, en hélico. J'arrive. Eh, va falloir essayer de trouver un moyen de transporter l'herbe par hélico, ça irait plus vite. Bah, tu sais, j'ai qu'à faucher ici autour, hein. Ah bah oui. Alors, il me semble que c'est 9. Pas où je dois mettre l'herbe pour les moutons. Voilà. Alors, Zeppelin, tu devrais être dans le coin. Tu sais, sinon, je sors simplement du tracteur et tu viens avec le tracteur. Moi, je vais en hélicoptère, ça va plus vite. Ah oui, je te vois. Coucou. Coucou. Bah c'est un Kamov, c'est un hélicoptère Kamov, hein. C'est un hélicoptère russe, hein. Où sont nos moutons? Ah, ils sont là. Ouais, ouais. Bah, ils ont pas besoin d'air, ils bouffent de l'herbe, bah, ces connards. Ouais, mais il faut que tu leur en mettes dans leur... Tu vois la mangeoire blanche devant? Ouais, mais j'arrive pas à mettre, justement. Mais il faut que tu fasses une marche arrière propre.
Puis j'aimerais bien. Et j'arrive pas à lâcher. Pourquoi je peux pas lâcher ma. Ah, il faut que je la baisse. Ah. Voilà. Y a de l'herbe là-dedans? Ouais, ouais. Bah, vas-y, fais une petite marche arrière et essaie de l'amener bien sur l'arrière. Normalement, tu devrais avoir unload qui devrait pop. Voilà, magnifique. Regarde, encore. Vas-y, 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 vas-y. Good. Là, t'as pas un unload? Non, attends. Ah, si, c'est bon, il vient d'apparaître. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Magnifique, regarde, t'as tout déchargé. Ouais. Là, ah, on est non, bien. Pas du tout. Je n'ai mis que 2000 là, d'herbe. Bah pourtant la mangeoire est pleine, donc ça veut dire que on... ouais, bah, t'as ouais, du stock. C'est... T'as du stock, bah parfait. Bah tu peux ramener le matos à la ferme. Ou même le laisser bah, ici. Alors... ici, éventuellement. On va laisser... Bah non parce que ça servira aussi pour la paille. Ouais, c'est juste. Alors je ramène tout ça. Par contre la. Ah bah non, je la prends. Bien la faucheuse, je la laisse ici. Ouais, pff. Éventuellement on reviendra la chercher. Ramène tout dans le doute, tu sais. Ouais. Putain, le tracteur, il en faudrait un puissant, un plus puissant parce que. Ouais, ouais, les deux ensemble, c'est chaud. Les deux, ouais, c'est pas vrai. Il a un peu de la peine. Bon, on a une. On aura de la paille de. On aura de la laine. Ce qui est chouette. Regardez, il y a Zeppelin qui est là. Je te vois. Ah oui, t'es là, toi. Je te vois pas. Attends, tu de moi. Ah oui, je te vois. Il va s'éclater. Ah non. Toi, tu tailles à travers la route, quoi. Bah, évidemment. Wow. Il va s'écraser, le mec. Ah là là. Bon, où en sont nos employés pendant qu'on fait joujou? Bah ça bosse! C'est toi qui fais joujou, moi... On a déjà un champ de préparer. Il y a déjà un champ de préparer? Bah on peut lancer l'ensemenceur. Il est déjà? À moitié? Ah il est déjà? Mais okay, hey, okay. J'ai engagé Rodrigo et son pote Diego et je les ai mis au travail. Ah ouais, ah, puis après, quand on augmentera la vitesse, on... bah oui, les œufs, ils iront plus vite. Aussi. Bah oui, c'est pour ça. Yeah, par contre, je passe. Et la laine ah, aussi. Ouais. Ouais, maintenant qu'ils ont de l'herbe, ces petits salopards. Par contre, il faut que je trouve où je vais décharger l'herbe. Alors, tu peux pas... Ouais, au pire, on a une autre remorque. Non, dans la ferme, il y a un endroit, un dépôt d'herbe. Non, je sais pas où il est. Bon, ouais, c'est... justement. C'est, où c'est, un des... c'est dans une des granges ou bien... Bon, l'ensemenceur, on a fait un champ à plus de 50%. Et on a encore un champ en train d'être travaillé là-bas. Ouais, nickel. Putain, c'est... Il y a des grands champs d'herbe ici. Zep qui commence à dire, allez, on va commencer à faire des balles d'herbe. Il y a des arbres, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà, hop, j'arrive, je suis là. Ouh, il y a un œuf ici. Hein. T'as dans l'œuf est bugué, non, c'est bon, je l'ai eu. Alors, les poulardes, allez, esclaves, c'est bien. Ouais. Il plante aussi, nickel. Regardez-moi ce voilà. Coq magique. Le roi de la basse-cour. C'est pas toi le roi de la basse-cour? Non. Oh, regardez-moi ce matos, Zep. Les investissements. Ouais, hein. Putain. Ça fait plaisir d'avoir allez. Du matos, hein.
Ouais, et puis ça, c'est encore le matos bas de gamme, hein. Ah oui, là, c'est le... on est en premier prix Ikea, hein. Clairement, justement. C'est pas... Ouais, c'est là-bas qu'on décharge, il me semble. Je sais pas si c'est ici. Ah, attends, je vais regarder. Potatoes and sugar beet. Et puis ça, c'est... Silo à copeaux, mais il y a un autre endroit de dépôt. Surtout wood chip. Là-bas, dans les granges. Dans les granges, je vais aller voir. Si je me rappelle bien. Il n'y a pas de point d'interrogation. Bien, c'est de l'autre côté. C'est là. Il est censé y avoir une grange. À deux étages. Il y a une grange là, plus bas, mais il n'y a rien. C'est notre chambre d'hôte pour les mecs qu'on veut. Ouais, c'est ça. Ici. Non, si, ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Ah, ça... c'est que de la paille et du foin ici. Ah, merde. Malheureusement, l'herbe... L'herbe, on s'en fout, quoi. Est-ce que... Okay, ouais, mais je peux pas la décharger, du coup. Bah, on va s'en servir pour les moutons. Quand on va aller en vitesse accélérée, on ira recompléter, on videra comme ça. C'est pas grave. Ouais, attends. Bien sinon, est-ce qu'on peut la vendre quelque part? De l'herbe, je suis pas sûr. Je pense que tu peux la vendre au... chez le... Bah attends, il y a qu'à voir. Comment ça s'appelle? Ah oui, normalement, grass, tu peux la vendre à 0,05. Tu peux vendre l'herbe. Ouais, c'est... Bah, tu regardes sur la map, attends, 9... avoir un logo. Celui qui fait de l'ensileur là, enfin le qui fait le méthanier, pas le méthanier, mais... le biogas plant peut-être. Ah là, biogas plant tout au sud, regarde biogas. Tu peux aller voir, ouais. En vitesse, hein. Tu prends un tracteur plus balèze là, et puis c'est parti, hein. Allez Diego, tu es presque là, le champ est presque fini, au boulot. Bah attends, Keijo, tu peux faire bien plus que ça, tu peux même, si tu veux, aller faire de la moto avec Rodrigo, notre champion, regarde. Rodrigo, amène-moi faire une petite balade, là. Zep, t'es... Tu vas au biogaz Ouais, je vais aller au biogaz, je regarde juste où il est, biogaz, là-bas. Je sais pas si c'est ça. Je vais t'accompagner avec Rodrigo. Bon, on verra bien. Alors, c'est par ici. Hop, merde. C'est mauvais. Ouh. Allez. Suis le guide. Ouais. Allez, c'est parti. Ça marche mieux quand il n'y a pas la faucheuse dedans. Ah, tu m'étonnes. Oh, tu fais le malin avec ta moto. Ouh. Regarde Zep. Attends, là on monte. Ah merde. On descend. Ouais. Oulala, 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 oulala. Rodrigo. Je suis trop fort. Geronimo. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Zep. Oh putain. Ah. Je perds pas la cargaison. Putain. J'ai pris un arme. J'espère que t'as pas cassé le tracteur. Non, je suis coincé. Attends. Oh putain, me dis pas que t'es stuck comme un débile. Mais non, tout va bien. Non, Zep, tout va pas bien. Lâche le... Lâche la remorque. Non. Attends, c'est bon, c'est bon. Mais quelle espèce de singe. Alors, Rictes. Que je te reprenne plus à balancer J'essaie de te décoincer, Zep, regarde. C'est bon. Ah mais c'est bon. C'est pas bon du tout. Regarde, mais si. Voilà. Ouais, voilà, tu parles. Putain, mais c'est pas possible. Oh oui, il a réussi. Voilà. Mais qui c'est qui fout des arbres aussi dans des descentes au milieu du chemin? On serait allé couper les arbres sinon. Ouais, non, c'est bon. Ouais, on aurait gagné. T'as vu tous ces arbres? Cette belle forêt. Un jour peut-être. On a déjà fait ce gameplay. Ouais. Ouais, puis en plus, on l'a fait au bord directement du truc.
Là, on devrait transporter... Oh, putain. Ça tourne à mort, le tracteur. Il y a tellement de poids à l'arrière que... Allez. Un dimanche matin. Avec ma nina. Putain, mais... De ma mobilette. Ah. Mais... Oui, il tourne beaucoup trop avec la. Oh là là, je t'ai vu te prendre le poteau de face. Ah oui. Regarde voir si on peut. Là, il y a un truc de peser, mais ça, je m'en fous. Regardez, Rodrigo, le Tchad. Allez, ramène-moi à l'exploitation. Là, j'ose pas mettre mes mains sur lui, il y a Zeppelin qui regarde. Non, mais c'est bon, j'ai bien... Ah, voilà, déchargé, ouh, nickel. J'ai bien compris que... Alors, est-ce que ça fait un peu d'argent, dis-moi? Ouais, je suis en train de décharger, là. Ah oui, ça, c'est monté un petit peu. Quasiment rien. Ouais. Ah oui, il faut que je roule dessus, je peux putain tasser. Ah, mais en fait, on pourra faire de... Avec ça, après, on pourra venir récupérer ce que j'ai fait. Enfin, faut le racheter, je crois. Voilà, c'est bon. Et tu peux le vendre après comme biogaz. Ah, comme biogaz, intéressant. Ça fait de l'ensilage, faut que ça fermente et tout. Enfin, il y a plusieurs. Il faut acheter des machines pour faire des trucs. Rodrigo! Ah. Pardon. Alors, le chemin officiel, il est là. Allez, de retour à la ferme. Je vais aller voir si les employés travaillent bien. Ouais, je pense qu'ils travaillent bien. Je sais pas combien ça coûte les champs. Je sais pas du tout regarder. Ah, là-bas, ça a fini de bosser. Je vais le mettre au travail sur l'autre champ. Et je vais aller faire un petit coup d'épandage. Ah ouais, mais il y a l'autre champ là-haut encore. Oui. Le 38, là. Je l'avais oublié. Mais on peut pas tout faire à la fois, vu qu'on est limité en matos. Mais on va mettre un ouvrier dessus. Ouais, ouais. Putain, mais rentre dedans. Voilà. Rentre dedans, con de mime. Colza, j'en suis où? Je vais aller faire le plein de colza. FDP, putain, ce pseudo il me tue à chaque fois. Hein. Il est bon celui-là, il est très très bon. Il est très celui-là. Très bon. Hein. Dangereusement bon presque. Hein. Ouais, ouais. C'est chez qui? C'est chez Antoine Daniel qui a le concours de. Toujours il se fait avoir par des pseudos. Mais ça, douteux. Malheureusement. Quand, voilà. Quand tu vois ces Twitchers qui font à la suite merci machin, merci machin. Merci ah, machin. Je me suis déjà fait avoir, il y en avait un, il y avait y a trop d'arabes. Je disais, mais c'est pas possible! Arrêtez de mettre des pseudos de merde pour me niquer! Ah, moi ça me fait rire. Ouais, moi, tu vois, putain, je. Ouais, bah oui, forcément. Je suis en train de drifter. Ah oui, non, mais dès que t'as un truc, c'est des savonnettes, hein. Voilà, je suis de retour. Plus le tracteur n'a pas de poids à l'avant, là. Et tu peux aller prendre, il y a des... Faut mettre une masse. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, je suis là. Hop, je détache la remorque. Alors, il a fini, lui, là-haut? Ouais, il a fini. Je l'emmène au champ, là, en haut. Il a fini? Ouais, presque, fini. Ouais. Presque. Il est encore en train de... Regardez, il est encore en train de faire. Non, ah oui, c'est moi qui suis dedans, là. Ah, c'est toi? Bah, ok, bah, parfait. Moi je vais donner un petit coup de spray sur le. H. Hop. Voilà, c'est parti. Allez, Ramucho, fais-nous ce champ. Je vais passer un coup d'hélico dessus. C'est fou, les employés de la région, ils ont tous des noms qui finissent en O. Bah, c'est un peu comme dans les champs d'orange en Californie, hein. Ah, c'est ça. Tu vas pas trouver beaucoup de Norvégiens et de Suédois, hein. C'est ce que je te dise. Malheureusement. Allez, c'est parti. On va aller pulvériser ça. Ah bah si, t'as planté quand même pas mal de trucs dans ce champ. Qu'est-ce que c'est dans ce champ? Y'a quoi alors? Ça a poussé? Bah y'a des trucs qui ont poussé, mais c'est quoi? Aucune idée. Attends, je vais voir la map.
vue de la carte. C'est en cours de croissance. T'as planté du maïs. Ah. Alors, ah ouais, c'est super parce qu'on n'a pas du tout, on a rien pour récolter le maïs. C'est con parce que je savais pas c'était quoi les icônes, alors j'en avais mis une au hasard. Bon, je t'avais demandé, personne n'avait répondu, j'ai dit bah ok, on va prendre une au hasard. C'est parti. Je mets Ramouch, enfin non, je mets Polo au travail. Vas-y, on saura. Allez, hop, l'hélico, magnifique, on est bien. Marche arrière. Voilà. On allume le sprayer. Merde! Vous n'êtes pas propriétaire de ce champ. J'ai fait une russell. Allez, c'est bon. Oh, pas magnifique mon spray. Magnifique! Encore un spray incroyable. J'ai oublié une petite. Une petite bande, ouais. Mais on va résoudre ça. Je deviens bon avec Vilco. Ça rentre, ça. Par contre, qu'est-ce que ça se prévite, hein, Zep? En un coup de doigt, tu vides ton réservoir. Ah, Zep, tu veux que je t'arrose? Mais reste donc là avec Rodrigo. Attends, on va se mettre à genoux, la bouche ouverte. Je vais vous éclairer. Allez, Zep! Attends, hop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'hélico en fait? Hein? Est-ce que ça sort de l'hélico quand je spray? On voit pas que ça tombe, mais on voit les petites buses. Enfin, tu vois qu'il y a un jet qui sort des buses. Bon, bah c'est bon, tout a été préparé ici. On a, et l'ensemençage est en cours. Ouais. L'autre, celui-là, il est déjà planté celui-là. Hein. Alors, celui d'à côté est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Ouais. Et puis l'autre, il est en train de finir. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il nous faudra soit un deuxième, soit un truc plus large pour que ça aille plus vite parce que. C'est ça. Ça va long quoi, planter ça, frère. On a déjà investi quand même pas mal dans nos bêtes, hein, Zep, hein. C'est pas mal, hein. Alors, on peut voir, hein. Enfin, je peux voir. Je peux pas dépenser, mais je peux voir. Nouveau véhicule 35 000, dépense pour le cheptel 12 000. Tous les moutons et poules. Ouais. Coût d'entretien des véhicules 1000. Paiement des salaires 1190. Oh, on va réduire tout ça. C'est les frais de bouche de Rodrigo et ses tenues de cuir. Et ses frais barbe, cuir, moustache qui nous coûtent extrêmement cher. Je trouve aussi. Ouais. Bon, bah, on est bien. On va attendre que ça bosse là-bas. Ouais, le coq est magnifique, hein. Donc là-bas, c'est en train d'être ensemencé. Il y a Ramucho est en train de s'occuper de l'autre champ, Zep. Ouais. Oh, parfait. Bah, Zep, ouais, on n'a pas d'argent, malheureusement. On va devoir attendre que les choses se passent. Ouais. On peut aller en accéléré, ouais. le temps ce champ avance pendant que l'autre... Ouais. Bah, ouais, ce que je vais faire, je vais aller vendre des patates en attendant. Des patates? Oui, on a des patates. Ah bah vas-y, hein. Je passe en vitesse x15. Ouais. Comme ça, on aura un turnover avec nos... Ouais, les champs. Putain, faut que je prenne la remorque, peut-être. Ils préfèrent des tracteurs de place, quand même. Être à moto, c'est le seul job de Rodrigo. Bah, il est là pour le plaisir de nos yeux. Hein. Ah oui, clairement. Maintenant, Rodrigo, maintenant, est contre-maître. Puisqu'on a Ramucho et Diego qui sont sur l'exploitation. Donc, ils supervisent que le travail soit bien fait. Pour le plaisir de nos yeux, et vu qu'on n'a pas de permis moto. Alors moi, j'ai mon permis hélicoptère. Je vous ai déjà dit que j'étais l'ancien pilote d'hélicoptère de Barack Obama. Il nous sert pour le transport. Et puis, il travaille pas. On veut pas qu'il ait des mains calleuses de paysan. Ah bah non, attends. C'est lui qui fait les massages le soir. On veut qu'il ait des mains douces. Ramucho, t'en as laissé un peu là-bas. Tu repasseras, hein. Alors, c'est où les patates? Allez Rodrigo, je te laisse là. Tu gères que tout se passe bien. Ton pote Ramucho, il a l'air un peu louche. Hein. Voilà, allez.
Alors. Voilà, alors, les patates, tu sais que je vais vendre ça, je sais même pas. Les patates, à combien ça se vend? Attends, notre argent est en train de diminuer très vite, hein, ne te loupe pas sur les patates, Zep, hein. Bah ça vaut rien, les patates. Ah merde. 390 la tonne. Trop, putain. Bah en fait, c'est juste que pour tenir nos frais, nos petits frais, en fait. C'est ça. Bon, parce que là, on est en train d'exploser nos coûts, là. On a aucune rentrée d'argent. Y a pas un russe qui fait de la vodka qui va acheter de la patate? C'est où la société de logistique? Il me semble que j'ai quelques œufs dans le backpack. Ouais, j'ai 7 œufs. Ça va nous faire un 70 de thunes. Wouh! Ouais, sinon je vais vendre les patates et puis je vais faire moi-même le champ là-haut. Ouais, non, ouais. Ça va pousser, hein. Faut être patient. Ouais. Vu que je vais à côté des moutons, je vais voir. Regarde s'il n'y a pas de la laine qui a déjà été posée. Après, la laine, la laine arrive en palette. Ouais, donc il faut. Je pense qu'il faudrait un tracteur avec un. Est-ce qu'on a un. Enfin, il faudrait un chariot élévateur pour transporter. Est-ce qu'on a un transpalette Alors, sur l'exploitation? Il n'y a pas besoin. Tu peux acheter des transpalettes, mais sinon, il y a des. Tu peux acheter des barres avant à fixer sur le tracteur qui font aussi le. Qui font aussi le transpalette. On fera ça. Il n'y a pas eu dans le poulailler, si. J'ai déjà récupéré les œufs dans le poulailler. Merci à A de tes sollicitudes quant à ton souci au niveau de comment le poulailler fonctionne. On est à 8 œufs. Ah, c'est qui est arrivé avant, la poule ou l'œuf? Je vais aller voir Rodrigo. On va aller vendre en vitesse. Wow, j'ai la carte ouverte quand tu presses cette table. Je te vais être téléporté partout. Sorcier. Je le téléporte de l'enfer. Ah, on se moque de toi, mais on t'aime bien, t'inquiète. Ouais. Ah bah, il met merde, attends, aussi. Mais là, je me suis pas un peu lourdé complètement de direction, je crois que si. Pépé, si, t'as un poulailler devant toi où tu peux vendre, hein. Ah oui, enfin, ah oui, il y a plusieurs poulaillers, en fait. D'accord. Ouais, je viens de le voir aussi. D'accord, j'avais pas vu. Ah bah, c'est parti. Bah, je viens de le voir. C'est là où je voulais aller, Zep. Évidemment. Évidemment. Tout est calculé. Oh, Rodrigo qui m'a fait un slide. T'es sûr que t'as eu ton permis moto, Rodrigo? Je vends les patates, regarde si ça rapporte beaucoup. Oh oui, ça monte. C'est bon, ça va payer nos frais d'entretien. Mais ça vaut, on a passé les 5000? 6000? 6000 presque. Voilà. Ouais, magnifique. C'est bon. GG, Zep. Alors, les petits moutons... Bah, j'ai rien fait, hein. J'ai juste... Voilà, on a passé les 6000 avec mes œufs. En même temps, je vais aller voir les boutons en vitesse. Je veux aussi. Alors... Ah merde, je suis du mauvais côté du truc. Merde, là, il y a la route qui prend à gauche. Voilà. Là, il y a déjà un truc de laine, apparemment. Nice. Oui. Pardon. Rodrigo. Alors. Ah, Zeb, tu es là, magnifique. Oui, je suis là. Ah oui, on a les premiers ballots de laine qui sont arrivés. Nice. 1,21€, mais je sais pas si ça correspond à quoi. Ils vont s'accumuler, par contre, faudra les dégager pour... sinon, ça va ouais, bloquer, pour en fait. Faire de la place. Ouais. Ouais. Donc là, Zeb, avec ce tracteur, on peut mettre une... Un truc devant pour... Alors ouais, je vais te dire c'est quoi. Attends. C'est... Wheel loader, non? C'est chargeuse avant. Wheel loader. C'est alors, le en jaune. D'accord. Ah ouais, front loader. Ouais, front loader, voilà. Ah ouais, 5400 le moins cher, ça coûte une blinde. Ouais, alors attends, ce que tu regardes le moins cher, en fait, ça c'est juste un adaptateur. Parce que tu vois, après, ça permet de mettre le truc à 600 et à 1700. Ah ouais, le bale spike.
Donc nous, avec le Bell Spike, on pourrait éventuellement... ça ferait un transpalette. Non, normalement, le Bell Spike, c'est pour faire les... merde. C'est pour faire le... Oui. Pour les balles. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un transpalette, en fait. Oui. Ah, éventuellement, ouais. Il y a la remorque est à 14 000, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ouais, il nous faut un front loader. Oui. Et... Ah oui, mais en fait, si, c'est bon. C'est bon, attends. Non, ça, c'est le Universal Buckets. Rune Bell Fork. Non, mais on s'en fout des... Attends vite, je reviens. Il y a mon chat qui a fait une connerie, je crois. Vas-y. Bon, de toute façon, je vais rentrer à la ferme. Où est Rodrigo? Ah, il est là-bas, je suis con. Allez, Rodrigo! Allez, on rentre. Oh putain, c'est une vraie savonnette cette Harley, hein. On peut pas faire confiance à Rodrigo, hein. Je sais que Bell Spike, c'est pour les balles. C'est pour ça qu'il y a marqué Bale dessus. Balles. Et Spike, c'est pointe. Voilà. Je vais aller faire un tour. Oh putain. On va aller voir comment ça se passe. Alors là, le champ ici, c'est prêt. Là-bas, c'est en train d'être préparé. Bon bah, on est bien. 5700. Quelle heure il se fait ? Le champ railer. Ok, nickel. Hop là. Fork. Pour la transpire dans le menu. Fork. Merci à... Fork. Voilà, désolé. Petit bâtard, oh, il a fait tout tomber. Ouais, c'est... le fork. Log fork. Ça serait log fork, non. Manure fork. Log, c'est pour les troncs. Log, c'est pour les troncs. Donc, il y a plein de... Ouais, c'est palette fork. Palette fork, c'est ça. Palette fork, transpalette, on l'a. Dans front loader, c'est le palette fork qui ira avec avec l'adaptateur le moins cher qu'on peut se prendre au début. Ouais, fourche à palette, c'est ça. C'est le... Ouais, sur le truc stall. C'est ça, ouais, stall. Le FZ30. À 800. Le FZ30, ouais. Donc, ouais. À la prochaine récolte, on achètera ça, Zep, pour... Ça fait quoi? Ça fait 6002 en tout. Ouais, 6000, ouais. 6000, ce qui est pas si cher que ça. Et normal, il n'y a pas des chariots télescopiques. Ah ouais, ça coûte plus cher, ça. De toute façon, après, une fois qu'on aura l'adaptateur, ça reste un bon investissement pour tout le reste. Hein. Et après, tu peux prendre les balles et puis tu peux tout mettre. Voilà. Tu peux mettre plein de choses. Donc l'adaptateur, c'est un bon investissement pour tout ce qu'on va faire après au niveau balles et tout ça. Ok. Bon. Bon, avec l'argent qu'on a là, on est bien pour nos petits frais, le temps que la prochaine récolte, on va faire beaucoup d'argent et on aura un peu de réserve. Je vais aller voir où il en est l'autre sur le champ. Ouais. Ah, attends, moi j'aimerais voir l'orge. OK, bon bah c'est bon. Ah ouais, non, mais il y a 1% de laine pour l'instant. Oui, oui, c'est pour ça que la laine, là, on est... On... Par contre, on a plein de... Alors, où en est Mokhtar? Mais c'est que ça avance bien, tout ça.
Ah oui, il y a mon maïs qui a poussé, en effet, j'ai l'air très con avec mon maïs, là. Bah, figure-toi qu'il a déjà presque préparé entièrement le champ. Nickel. Il est en train de dégager ce qui reste de maïs, là. Ouais, il est efficace, lui. Ouais. Ouais, il est un peu à la moitié, un peu plus de la moitié. Ah, nickel. Et après ça, on pourra mettre l'autre. Étonnant pour un sudiste de travailler si vite. Un sudiste. ces affreux confédérés, ils savent pas bien bosser, hein. Non, c'est qui vient de au sud de notre belle frontière. Ah, encore plus au sud. Ouais. Attention, parce que faut pas que ça filtre sur notre Twitter, ça, hein, que tu racontes ce genre de choses. Hein. On sera personne non grata. Je n'ai pas de Twitter. Enfin, si, j'ai un Twitter. Bien sûr, t'as un Twitter. Hein. On est abonné à Obama et à Biden. Voilà, quoi. Ouais, ça faisait partie du contrat. Wouh, Rodrigo balance. Je balance, enfin, je retweet automatiquement tous les trucs d'Evergreen et puis de les discours de Biden. Bon. Je coupe à travers la forêt, je suis en pleine forêt. Je vais aller finir le... Putain, mais il est magnifique ici, le champ est presque plus de la moitié, pas mal. Je suis là. C'est vrai que ça vaut le coup de dépenser un peu d'argent et de laisser les employés profiter, hein. Ah bah bosser, oui. Hein. On leur donne du boulot et tout. Rodrigo, c'est un contremaître excellent. Ouais. On va aller discuter de son augmentation au sauna. Il a dit qu'il avait des arguments de poids à faire valoir. De taille. C'est ça. Allez, Ramucho, ouais. Au boulot. Il a bientôt fini de planter aussi. Ouais, on arrive. Ah, c'est bien. Hop là. Merde, je le gênais dans sa manœuvre. Ah bah bravo. Ah, il est plus professionnel que moi. Hein. Tu sais, il arrive, il lève et tout, tu vois, clac clac, pas de gâchis. C'est parti, ah, Ramucho oui, plein tube, dépêche-toi, tu finis. Il y a encore un autre champ après pour toi. Hein. Et l'autre guignol, il en est... Alors, lui, ok. Et puis lui... Ouais, il a passé la moitié. Enfin, il est trois quarts, je dirais. Deux tiers. Trois quarts. Ok, il y a toujours ce tracteur là-bas. Ça, c'est l'hélicoptère. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je bouge, Rodrigo. Putain, FDP, t'y as pensé aussi. Incroyable. Oh, regardez, il y a Zep. À vélo. À Zep, tu vas faire une petite balade. Bah ouais. Je viens avec toi, attends, je vais dire à Rodrigo d'aller se délasser au sauna. Il a eu une dure journée à se faire obéir de ses potes. Ouais. Et je vais te rejoindre pour une petite balade à vélo, Zep, en amoureux. Ouais, c'est ça. Et puis, quand il sera bien détendu, Rodrigo, on le rejoindra en sauna. Encore plus. Il s'occupera de nous détendre, nous. Il a deux mains, c'est parfait. Le deuxième vélo, je crois qu'il est... Ouais. C'est juste là. Les on va aller voir Diego, qui doit être au champ là-haut. Allez, Zeppelin, c'est parti. Par contre, t'étais pas obligé de mettre les mêmes habits que moi. Hein. Ah, excuse-moi, mais... Ma garde-robe était sale, je me suis dit que... Porter ton odeur, elle est... Et c'est pas un VTT que t'as, hein, pépère, hein. Bah... j'ai des jambes musclées. Eh, tu sais, Zeb, que l'autre fois, j'étais tombé sur un stream où t'as vraiment des compètes de vélo où les mecs sont en vélo d'appart, en Tour de France, et... Ah genre, oui, ouais, avec Et les mecs étaient en train de faire ces centaines de bornes sur son home trainer, et il y avait d'autres mecs aussi. Et t'étais là, mais les mecs, vous êtes complètement cinglés. Swift, ça s'appelle le machin, et c'est pas... Enfin, tu dois acheter tout le système, et ça coûte une putain de blinde. Mais oui. Et genre, il y avait 600 mecs qui regardaient. Mais oui. Et le mec, il était là, à l'Alpe d'Huez, 16e étape du Tour de France, et ils font ça tous les jours. Mais les mecs, vous êtes complètement barges. Mais oui, ils ont fait le Tour de France l'année passée, ils faisaient en même temps. J'ai vu ça, j'étais tombé sur un article. Ils ont fait le Tour de France, donc des gens random. Ouais. Et j'étais là, et les mecs étaient... le mec sué en cuissard et tout, là. Merci pour le sub et tout, putain, mais sors, il va faire ça dehors.
Ouais, en fait, ça a explosé à cause du confinement. Mais bien sûr. Des confinements. Incroyable. Mais ouais. Et c'est ce qui est fabuleux. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a des tricheurs dans le tas. Mais bien sûr qu'il y a des tricheurs. Il y a toujours des tricheurs. Des vidéos, il y a des vidéos. Je démasque machin. les trolls, regardez. Vidéo choc, tu sais. Je dénonce, j'accuse. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est incroyable, Twitch, YouTube, les. Il y a des gens pour exister, ils ont besoin d'aller cracher sur les autres, tu vois. Et c'est incroyable. C'est un milieu ultra toxique, hein. Bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça que moi j'évite personnellement les réseaux sociaux au maximum, tu vois. C'est que j'y vais juste parce que j'ai des groupes d'histoire très intéressants. Bah oui. Et je peux choper de l'info sur ce que j'aime. Mais putain, tu vas pas pour. T'es. Ah. Bon, bah, je suis désolé, Zep, mon maïs a lamentablement échoué. Ouais, bah ça, on fera plus tard. Moi, alors, on parle des dramas sur les mecs qui font le Tour de France depuis leur appart avec un jeu où ils sont tous au taquet. Et tout, c'est dingue. Hein. Ça s'appelle Swift, c'est Z-W-I-F-T. Et en fait, c'est un adaptateur que tu dois acheter et que tu peux mettre sur ton vrai vélo. Et tu enlèves la roue arrière et tu adaptes ça. Et en fait, ça calcule donc comment tu pédales en réalité et tout. Et tu peux aussi acheter, tu dois mettre un truc pour calculer tes battements de cœur et aussi au poignet qui va calculer encore d'autres trucs. Pour refaire, parce qu'il y a des records et tout, puis ça te coûte une blinde et t'as plein de gens qui achètent ça. Il y a de la data et tout, c'est assez ouf. Ah ouais, ouais. Bon bah ça avance ici. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon allez, parfait, il a presque fini. Ouais. On va pouvoir retourner à la ferme, allez hop. Mais autant faire un vrai tour de... Non mais c'est hallucinant, hein. J'y croyais pas jusqu'à ce que je le regarde. Mais ouais, ouais. Ah ouais, puis les mecs, ils souffrent, hein. Ouais, tu vois que... J'en ai regardé un faire le mot Ventoux, ils pleuraient, hein. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Si les mecs sont sérieux, les mecs, ils crachent du sang, hein. Mais tu te dis, à ce moment-là, autant sortir et faire du vrai vélo, tu vois. Voilà, enfin... Mais t'en as aussi... qui te sort des puissances, des watts qui sont impossibles, et t'as les mecs qui sont là, ouais mais non, mais ça, même les professionnels, ils te sortent pas autant de puissance. Mais bien sûr qu'il y a des tricheurs énormes, il y a des tricheurs énormes dans l'eau. Il est sous EPO, les mecs, c'est EPO électronique, quoi. Dans le milieu, on l'appelle Monsieur Une Couille comme Armstrong, non. Ouais. Tout asthmatique aussi. Bien sûr. Oh là, j'ai la petite musique de country pendant que je me balade à vélo. On va aller voir où en est Ramucho. Il devrait avoir fini, je pense. Regardez, c'est pas épique comme cadre. Zep et Pépé. À vélo, tranquille. On est écolo. En roue. Alors, on est un peu en hélicoptère des fois. Mais on a une empreinte carbone dans notre loisir qui est quand même quasi nulle. Ouais, mais si on est en hélicoptère, c'est pour aller plus vite. Et du coup, on crame moins d'essence sur la longueur. Faut le voir comme ça. Putain, t'as un sacré coup de pédale, là, je suis à 20 km/h. Ouais, ouais, ouais. Vache. Avec un vélo de ville sur un chemin de terre. Putain, mais t'es obsédé par le nouveau poulailler, c'est impressionnant, hein. On est en vitesse x5, donc c'est pas trop... Ah, oui, on a 17 E. Il a fini le champ, je vais aller amener la... Je vais aller le mettre au travail dans l'autre, d'accord. Ah ouais, ça commence à pousser, là, d'ailleurs. Ouais, et je vais aussi passer un coup de d'hélico... Ah, ouais, attends, il a pas fini. Ah bon? Il reste quoi? Oh, il reste un tout petit morceau. Ah non, il a pas fini. Est-ce que ça serait pas le truc qui est vide? Bah peut-être, regarde. 43%, mais non. Peut-être en rentrant dedans, ouais, bah, faut presque H. Attends, mais il y a peut-être... Non, il y a du carburant. Attends, je vais dégager le vélo, pas qu'il gêne. Est-ce que... Alors, regarde. Il avance plus. Mais c'est ça, il est bugué. Lâche la. Attends, attends, ouais, je pense qu'il était bugué. Parce que j'ai dû renvoyer l'ouvrier, il était dedans quand même. Attends, je vais reprendre la. Ah putain, faut mettre la masse. Hein. Ouais, ouais, parce que là. Lâche. Voilà. Ah. Ah, ouais, ça tourne mieux, dis donc. Notre colza qui est en train de pousser. Je vais ramener le vélo devant la maison. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bizarre, hein. C'est bon, il est reparti normalement. Bah voilà, il va finir. Ok.
Et puis l'autre, il doit encore faire un aller-retour et il a fini. Parfait. Bon, bah, et bah je reste là et puis je vais ramener le tracteur après. Ouais, on va finir sur ça aujourd'hui, hein. Ça va déjà faire 2 heures, je crois. Ouais, ça file, hein. Ça file, hein. Un peu moins de 2 heures, ouais. Ça va faire 2 heures quand on aura fini. Yes. Je fais travailler les mollets, là. Il y a Rodrigo, là-haut, qui est au sauna. Je vois ça, Harley. Parfait. On va bien s'occuper de lui. Oh là là, regardez-moi ce virage. Oh putain, oh putain. 15 km par heure dans la montée. En danseuse. Je suis sur Swift. Non, de toute façon, sur Twitch, il y a quand même des trucs... Enfin, c'est comme ceux qui se filment en train de dormir. Ah oui, non, mais... Tu sais que ça, maintenant, c'est interdit parce que, justement, c'était... C'était un peu trop... T'es censé être actif, en fait. Ah ouais, c'est interdit, très maintenant souvent, ouais, il y a très souvent des modérateurs qui passent et qui ferment le stream, en fait, pour toi. Ah, sympa. Ouais, t'as vu, ah, ça va loin. Tu te fais pas bannir? Non. Ok. Ça va loin, hein. Être modérateur Twitch, tu dois quand même voir ces choses. Hein. Putain, les pauvres. Les pauvres. Bon, après... Ils doivent surtout être chez Amourante et autres Twitch. Ah bah, ils sont comme tout le monde, je pense. Hein, si c'est un peu des crevards, ils doivent aller voir... Vu comment elle est favorisée, Amourante, un mec ferait ça, il serait déjà ban 15 fois ouais. sur 15 via la suite. non. Tout le monde est pas traité au même hôtel, hein. Après, ils font leurs calculs, je pense, parce qu'ils savent qu'Amourante, bon, au-delà de l'argent qu'elle brasse et des subs et qu'ils prennent de la commission dessus, ils savent que ça fait parler de leur, parler de la plateforme. Bien sûr, c'est que une histoire de fric. Ou alors, tu les bannes 3 jours pour. Pour faire croire que. Mais... Putain, il a fini là-bas de faire. Ouais, il a fini. Ah bah génial. Bon bah on est bon, Zef. Je vais aller voir s'il y a pas quelques œufs qui traînent. En attendant, oh, oui. Ouais. Oh, regarde aussi, ah, regarde tous les œufs. Ah, regarde tous les œufs. Attends, je sais pas comment ça fait quand tu as plein d'œufs. Bah, je récupère tout, pardi. Ah, ils sont simplement posés par terre. C'est ça. Regarde, hop, hop. Bon, ça fait un peu d'argent de poche hein, qui tombe. Hein. Ah oui, d'accord, je vois, ouais. Regarde ça, 3 d'un coup. Alors, il reste encore 19 œufs. 19? Putain. De ce que... Ah, bah attends, tu l'irais. Mais non, j'ai tout pris, hein. Normalement. Hein? Ah, non, mais il en reste encore. Enfin, je sais pas. C'est... Remaining? Ah non, c'est bon, c'est mais bon. Mais non, 19, c'est dans le backpack. Transporté. Ouais, c'est bon. Bon, je vais aller vendre ça en vitesse avec Rodrigo. Allez, Rodrigo, sors du sauna, là! Allez! Feignasse. On va aller vendre les œufs. Voilà, il m'attend, parfait, allez au boulot. Il a fini l'autre de... Ah non, pas encore. Il doit lui rester deux ou trois... 4 même. 4, ok. Je pense, ouais, 4. Rodrigo, le taxi. On va essayer de ranger ça un peu mieux. Hop, voilà. Joe le taxi. Non, c'est pas que j'aille dans l'hélicoptère. Je suis puni d'hélicoptère. Ouh putain! Rodrigo qui a failli avoir un accident de moto. Il m'a fait le coup de la panne dans les bois. Ah le petit salopard. Rodrigo, non! Mais je le comprends, je le comprends. Oh, bah, ouais. Par contre, il y a une fontaine, là, je sais pas à quoi elle sert, il y a un point d'interrogation. C'est pour remplir la flotte. Pour remplir la citerne d'eau. Ah ouais. Et puis le téléphone, à quoi il sert? Ouf, aucune idée. C'est pour demander des conseils et des tips au jeu, je crois. Bah, après l'assistance. Ah ouais, ah excellent. Bah alors, Zep, les gars fermiers, c'est trop dur, je veux arrêter, aidez-moi. Merde, je suis allé trop loin. Sortir de là. Sortez-moi de là, j'ai fait une connerie. Je suis un néo-rural, je m'attendais pas à ça. On a mis le poulailler à côté de la maison. Il n'y a même pas d'atout bio dans la région. On n'a pas trouvé notre quinoa préféré.
Je sais pas comment on le fait pousser, moi. Le coq, il fait du bruit, on peut pas dormir. Allez, pire, quoi. Ah, c'est triste, parce qu'ils sont, ils sont pleins de bonne volonté, ces gens. Ils sont, débiles. Hein. Mais ils ont une vision, ils ont une vision, romantique de la campagne et, et du boulot que ça représente. À peine. Allez, je fais, la petite balade. J'ai un copain, il est pas... Il vient d'une famille d'agriculteurs et il s'est lancé dans du... maraîchage, il fait pousser des fruits. Mais en self-service, tu vois, tu peux aller... tu vas avec ton petit panier, puis tu pèses à la sortie. Putain. Mais même si c'est pas toi qui récolte, enfin, tiens, ça marche à mort. Il est dans un coin rempli de bobos et tout, ça marche à mort. Tu m'étonnes. Mais même si c'est pas toi qui récolte, c'est un boulot de dingue. Bah, bien parce sûr. Que tu dois toujours faire que le fruit soit facile à cueillir, tu vois, parce que s'il faut mettre les mains un peu trop dans les ronces, ils vont pas le prendre. Bah oui. Bah ouais, mais... Bah en tout cas, ça marche à mort, et puis il se fait des marches de petits salauds, hein. Wouh. Bon, il a fini l'autre, là, dans son champ. Attends, regarde-moi notre colza qui pousse. Il finit dans deux lignes, je pense. Bon, je suis en chemin, je vais l'amener. Ah bah, bon, tu y es déjà, d'accord. Ouais, je suis sur le tracteur. J'utilise Tab. Moi, j'aime bien me balader, Zep. J'aime pas utiliser la facilité et tricher. C'est pas de la triche, c'est une mécanique implantée dans le jeu. Ouais. C'est surprise mécanique à propos des lootbox. T'as la nana de EA qui sort ça en commission parlementaire en Angleterre. Oh, it's not gambling, it's surprise mécanique. C'est genre... Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de connasse? Ouais, bah oui. Genre, dans les casinos, c'est ce que tu peux dire. Ah bah non, c'est une mécanique surprise. Tu vois, ouais, bah oui. C'est pas du pari. C'est une mécanique surprise. Putain, le disrespect est total, quoi. Bah non, mais... Enfin, EA. Rien qu'en disant EA, tu sais que... Bah, c'était EA ou Ubisoft, je sais plus. EA. EA, ouais. EA, tu sais que... Rien que quand tu dis IA, tu sais que le respect s'est évaporé. Quoi. Bah, là, déjà, ils ont fait marche arrière avec les NFT et toute la saloperie que c'est autour. Ah ouais, ça, c'est aussi une sacrée arnaque. Ah bah, c'est bien, putain. C'est bien. Il y avait la compagnie de Worms Studio 17 qui avait annoncé aussi sur Twitter qu'ils allaient faire ça direct à tous les community managers qui vont utiliser leur propre compte pour dire « S'il vous plaît, ne nous insultez pas, on n'était pas au courant et on ne cautionne pas !» Et ils ont pris un tel backlash que le lendemain, ils ont dû dire « Bah écoutez, on fait un rétro-pédalage et on enlève. On a écouté vos retours avec attention. Nous sommes à l'écoute de notre communauté. » Mais genre, la pire bullshit que t'entends. Genre, la pire bullshit. Ils disent tous la même chose, quoi. C'est du damage control, c'est quoi. C'est du damage control. Ils essayent. Et s'ils voient que ça marche pas, hop, on a le texte de sortie déjà prêt, on a copié-collé sur EA. Et voilà quoi. Y'a que Ubisoft qui fait pas marche arrière avec leur Ubisoft Quartz. Les mecs ont-ils pensé que le NFT est l'avenir du jeu vidéo? Ils ont pas fait marche arrière il y a quelques jours? Non, je crois pas. Ils sont toujours... ils refusent de lâcher l'affaire avec Ubisoft Quartz. Ils ont modifié... Ouais, je sais pas, peut-être. Mais bon, ils vont être obligés de lâcher, hein. Enfin, ils ont beau être milliardaires, faire de leur argent, mais... De toute façon, à un moment, Ubisoft, ils vont se faire racheter, hein. Microsoft, ouais, Microsoft a les poches pleines, t'es là, putain. Oh, putain, hein. Bon, tu je vais remettre du... Ah oui, oups. Carrément. On va aller remettre des graines, il n'y en a plus, là-dedans. Et après ça, on sera bon, Zep, pour ce soir, je pense. Ouais. Je vais remettre des graines et puis je monte le tracteur là-haut, comme ça la prochaine fois on n'oublie pas de le faire partir parce que c'est un coup à oublier. Oui, on aura l'air très con. De encore avoir un champ dans le vent. Bizarre que Bethesda n'ait pas déjà annoncé leur lancement dans les NFT. Ce qui est logique, c'est parce que peut-être derrière Microsoft a dit « Non, on veut pas entendre parler de NFT dans nos succursales. » Tu peux venir enlever l'hélicoptère? Ouais, bien sûr. Mais attends, est-ce que je peux le pousser? Hop, tu touches pas à l'hélico là, oh. Est-ce que je dois te rappeler que j'étais le pilote de Barack Obama? Genre, tu crois que Barack, il arrivait, il poussait mon hélico? C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, t'avais oublié, ouais. J'avais oublié cette histoire. Ouais,
cette sombre histoire. Merci. Bah, rempli ? Pourquoi il veut pas remplir ? Faut vraiment que t'ailles prêt. Putain, mais c'est pas possible, c'est ces tracteurs qui sont des savonnettes. Ah, par contre, tu peux aller déjà ensemencer le champ là-haut, le temps que j'arrive. Ah oui, bien vu, j'avais oublié. Absolument. Ben non, il veut pas, hein. Mais si. Je l'ai fait tout à l'heure. Bah ben oui, je l'ai fait la dernière fois. Ah, Ubisoft ne peut pas se faire racheter, d'accord. Ah oui, non, mais j'ai sélectionné la masse, c'est pour ça. Ubisoft ne peut pas ou ne veut pas se faire racheter. Ne peut pas se faire racheter parce que c'est une entreprise française, à moins de se faire... Donc ça tombe sous la juridiction de l'État français, je pense. Bon bah... Après, bon, dès qu'on parle d'argent et de milliards... Voilà. Ce qui les protège, c'est qu'ils pèsent lourd, quoi. Mais... Non, mais on a vu que même si tu pèses lourd, on parle quand même de Blizzard Activision qui s'est fait racheter, quoi. Donc, oui. Mais qui pèse lourd ? Preuve que personne n'est à l'abri d'un rachat. Ah, ben non. Putain, j'arrive pas à bien... C'est même pas une OPA agressive, c'est non. Juste qu'ils sont arrivés, ils ont dit, c'est à nous. C'est à nous, ouais. Quand tu claques 68 milliards de dollars, 68... T'sais, c'est le budget du Zimbabwe, hein. Ouais, c'est ça. Les mecs ont claqué pour des jeux le budget du Zimbabwe. À un moment, voilà quoi, c'est classe. Vraiment, c'est à nous maintenant. Allez, prends ta petite valise et puis tiens, va jouer au bi. Ah, c'est fou quand même, putain. Ok, là je suis bien. Combien ça coûte déjà ces ensemenceurs là que je machine en le PID, moi c'est une nouvelle valeur pour calculer l'économie, le PID. PID. Ah, je rigole, PID, bien sûr. Si on peut plus se moquer. 15 000. Si je peux plus me moquer de mon chat, hein. Genre comme s'il se moquait pas assez de moi. Bah. C'est pas qu'ils se moquent de toi, c'est qu'ils font des clips et ça finit en best of fail. C'est vrai. Je trouve ça très amusant. Ah, ils sont rigolos. Oh, ah. Voilà. Voilà, bah moi j'ai mon Gugus qui est prêt à partir. Bah on sera bon pour la prochaine fois à récolter le colza, faire pousser le colza, les récolter. Ouais. Combien a de laine? 3%. Ouais, bah quand tout sera planté, ça fera... J'achèterai encore quelques moutons. J'irai voir le nombre max de poules qu'on peut avoir et de moutons. Ouais, mais là ouais, c'est la ferme aux 1000 poules ici. 130, j'ai été un peu gourmand, je l'avoue. Un petit peu quand même. Et du coup, on a combien d'argent là? 4600. Oui, c'est pour ça que on est ric-rac. Ouais. Putain, les salaires, ça coûte une blinde, hein. On a payé 2300 salaires. Mais ouais, mais ça nous a permis quand même de préparer une énorme. Ouais, ouais, ça va plus vite. Ouais. Ça nous permet de faire une énorme plantation de colza, quoi. Colza, ouais. Le colza, il se vend au plus cher, c'est 800. Quoi? Mais il y a moins de rendement. 1187. Ouf, putain, ça a monté. Le plus cher, ouais. Magique. Ouais, les prix, ils fluctuent un petit peu. Là, il reste des copeaux de bois. Un chargement de copeaux de bois, mais le copeau de bois, ça se vend... Ah putain, le copeau de bois, ça se vend à 1062 euros la tonne. Wouh ! Faudra les vendre. Carrément ! Ouais, ça va faire plein de pognon. Bah, la prochaine fois, ouais. La prochaine fois ? Bon, je vais sauvegarder, Zep, comme ça. Hop. Ouais. Bah, je quitte déjà. Ouais. Comme ça, je peux vite passer un petit coup sur le chat, voir ce que les débiles disent. Rien du tout. Ils racontent des, ouais. Ils racontent des bêtises sur le... Ça, je peux dire au revoir. Bon, sur ce, ouais. Moi, demain, j'aurai E4. Nouvelle session des Iliens, ça risque encore de se friter. Et demain soir, j'aurai. On sera un peu de compagnie au Firos 2. Je sais que Chouan et Kat seront là. Et on aura peut-être la Vipère qui sera là aussi. Voilà. Bon, allez. T'es motivé d'aller te faire du COH2 après une journée de. Tu rigoles, mais ça me détend après U4.
Ah, ok, d'accord. Tu vois, ça me détend. Après me taper 4 heures de U4, je vais chill sur COH2 en rageant tranquillement et tout. Darfish est en live. Bah nickel, alors. Allez, je vais vous envoyer chez, chez l'hôte Darfish, là. J'oublie toujours de faire des... de faire des raids. Allez, crachez votre mépris de Darfish. Alors, Raiding. Putain, en plus, il a un bon pseudo de merde. Raid, hop. Hop. Ah, attendez, faut que je le fasse. Voilà. The Darfish, ok, c'est deux majuscules. Voilà, The Darfish. Hop. Allez, je vous envoie chez Darfish, allez l'insulter. Et barrez-vous. Restez surtout pas sur sa chaîne. Allez juste l'insulter. Mais... mettez des vautours et tirez-vous. Allez hop. Au revoir. À demain. Ciao, ciao. Putain. Bon, Zep, je t'abandonne aussi. Tu me tiens au jus pour la...